Sarah, I believe you. Your sister's alive. She's out there somewhere. Thank you, Snow. Here, you hang on to this for a while. When I come back, it'll be with Lightning. Sarah, I can take you there. We can find Lightning together. I know she wants to see you. You're full of it! Yeah, that's impossible! Lightning's gone, man. No. Shedding the tears, crying aloud for once. Hmm. What's happening? You see? It's a time gate. It's like a portal. Lightning is in a place called Valhalla. She's waiting on the other side. This place is incredible. It's the Historia Crux, the crossroads of the time continuum. Tell me you're having visions. Will you allow this? It is not for me to decide. Prophecy! It's been changed! If you change the future, you change the past. It keeps changing? Change is the constant. You've got no reason to fight me, guys. Wrong. You are the enemy. You are contradictions in the timeline. I have every reason to eliminate you. He is tasked with protecting the Cirrus and remembering her visions. Now and forever, he will remember the entire timeline. Caius, he is beyond death. What? You mean he can't die ever? Which era do you come from? Though the pain of loss still hurts me. I am the one who lives in all the ages. Making me smile, making me laugh many times. Everything is gentle to me. Cause you are making it so. Now I'm happier. Reason why I live in this world. It's not to you. This one I truly need. I will make. We'll build a beautiful day together. No gave up much more. That, my girl, is why we're here. Oh, come on, Fang. Thank you. We're just showing you a way out. That's all right. Because now it's your turn to help someone. You're not the only one who's trapped in a dream they can't wake up from. You mean no. We need to go and find him. I reckon we can save him. Sometime. You've helped me wake from mine. We have to stick together, Noel. I've got no one else I can count on but you. We have the same hope, the same road to travel. We will change the future!
Salut tout le monde, c'est Isoyon et on se retrouve pour l'épisode final de Final Fantasy 13-2. Oui, c'est ça! Elle a réussi, enfin! Elle l'a fait! Elle l'a fait, la présentation de l'épisode final de Final Fantasy 13-2! On acclame bien fort, bien sûr. Hein. Merci, merci. Ouh, c'était de la merde! C'est celui qui dit ça dans les commentaires, je vais limite lui mettre un point dans la gueule. Mais enfin, salut à toutes et à tous, c'est VicNin66Game et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode final de Final Fantasy 13-2. Attends, cette rime. Mais enfin, on est là dans cet épisode final de Final Fantasy 13-2 avec Lissio... Lissoyon, pardon, ça y est, putain. À chaque fois je vais dire Lissoyon, mais en fait c'est Lissoyon. Bon, comment tu vas? Bien et toi? Très bien, t'es prête à m'accompagner pour cet épisode final de What the fuck n'importe quoi? Oui. Bon bah c'est parti. J'ai juste envie de te dire ça, je fais patienter les gens et pendant ce temps bah j'ai juste envie de faire tomber ça. Alors toi tu vas le voir peut-être en retard parce que... Ah oui, pour l'information, Lissoyon va voir un tout petit peu plus tard les actions que je fais à l'écran, vous les voyez directement, on va dire en direct. Alors que Lissoyon les voit un peu en retard comparé à moi, donc voilà, c'était pour le dire. Mais ce que je vais faire, c'est je vais balancer cette petite peluche mog dans le vide intersidéral. Enfin, dans le vide du chaos, si tu préfères, mais voilà. Comme la dernière fois. Ouais, sauf que là, bah, c'est les ténèbres. Hein. C'est trop purée. Regarde la hauteur, hein, donc c'est... Adieu. Mais enfin, là... C'est le combat final, les gens. On s'apprête à tout déchirer. Je vous demande de bien vouloir m'excuser si jamais je parle pas. C'est parce que je serai concentré et que le boss est une pure merde. Ouais, c'est logique ce que je dis, mais bon. Enfin bref, je risque d'avoir du mal avec le boss, les gens. Et on se retrouve tout de suite. Allez, on fait passer la cinématique. On monte la cinématique. Fais chier. Yule, are you watching? I shall fulfill my promise. Your suffering will end. Totalement impossible. Sarah, is that you? Hey, Sarah! Dodge says he misses your classes. Friend of yours? We can catch up later. First, we've got a planet to save. This is it. A fight for the future. Ready. Let's go, Caius. Want to see how well you've trained me? Now's your chance. Alors c'est parti. Caius balade. Allez hop.
C'est parti, alors qu'est-ce qu'on affronte là? Je sais pas vraiment. J'ai l'impression que je vais laisser Lisoyon toute seule là pendant un moment. Elle va dire qu'est-ce qu'il est en train de raconter l'autre débile. Bahamut du chaos, résistance, ouah, bon, il résiste à tout. D'accord, bon. Le but là, ça va lui faire. Ça va être de lui faire des dégâts assez constants en évitant de mourir, les gens. Donc, espérons. Enfin, espérons tout simplement que je vais pas crever comme une grosse merde. Lisoyon, je ne veux pas que tu me portes la poisse quand même. Je t'aime aussi, très fort. Ouais, ferme ta bouche. Putain, je suis même pas concentré à cause d'elle. Oh putain, j'ai pris cher. Ah, vite le pompier. Oui, notre pompier est une est un truc vert gélatine. C'est ça qui est cool. Hop, allez, 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 allez. Putain, je m'excite pour rien en fait, mais c'est tellement bon. Attention, on vise l'oiseau, poule. Vas-y. Là, t'imagines comment ça devait être galère. Tu t'imagines, tu fais à la lance là, tu vois le tu fais du javelot, tu vas aux Jeux Olympiques, puis le mec il te fait record du monde. Mais enfin, allez Noël. Ah, fais chier. C'est le meilleur. Non, c'est Sarah la meilleure. Ouais. D'ailleurs, je vais en profiter les gens parce que comme c'est l'épisode final, on va se permettre, on va changer de leader, on va prendre Sarah. Et on va lui faire son attaque spéciale. Merde, 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 couverture. Tu me donnes une couverture, très bien. Je crois que j'ai raté les flèches d'Artémis, en fait. J'ai l'impression que je suis là pour te rendre les choses plus difficiles, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un combo. Oh, putain, en plus, tu me portes la poisse, c'est ça qui est bon. Enfin, mauvais, mais voilà, quoi. J'ai raté les flèches d'Artémis à cause de toi. Je suis sûr que c'est ça. Oula, et j'ai intérêt à me soigner en fait. Ah, et en plus avec Lisoyon, je vous jure les gens, c'est vraiment très difficile à jouer parce que elle m'énerve des fois. Et je vous dis pas à quel point. C'est une chieuse, voilà, c'est dit. Toi le pire. Moi je suis pire. Oui. J'avoue. Des fois je peux être infernal. Oui. Vite, 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 vite. Oh putain, je... Il reste plus beaucoup de PV, j'ai eu chaud là. Ouh, j'ai eu chaud. Ah, je vous dis les gens, c'est vraiment très difficile avec Lisoyon. Ah, allez. Ça, je vais faire de la merde, je suis sûr. Bon, aussi pour la petite information les gens. Pendant un combat, vous ne nous entendrez pas parler du tout. C'est surtout parce que je vais vous faire écouter la bande son qui est juste magnifique. Je la ferai écouter à Lisoyon juste après. Et puis voilà. Putain, il ne me laisse même pas le temps d'attaquer ce fumier. Donc voilà, à un moment vous ne nous entendrez pas parler, ce sera normal, c'est parce que je vous laisse une belle musique. Appréciez la bande son. Ouais, voilà, surtout que c'est de l'orchestral avec une chorale derrière, attention, ça déconne pas. Oh putain. J'ai envie de te dire, c'est horrible, on prend cher. Mais pire, allez, hop, voilà, on va finir. J'ai même pas fini, mais ça va arriver. Attends, c'est quoi cette chose immonde? Un démon avec des ailes. Ça s'appelle un Behemoth. Un Bahamut, pardon. Un Bahamut. Ils ont le chic pour trouver des noms bizarres. Bah, c'est un. Le Bahamut pour l'information. Je vais le dire après parce qu'il y a la cinématique. Still don't know the truth, Sarah. You are the same as Yule. You can see the timeline. Even if you save your future, you will not survive to see it. I know the truth, Caius. I know that every time I change things, I lose a part of my life. But don't you see? I don't care. I'm here to protect the future. And I will! How very noble of you. But you shall die first. Et on est reparti. Alors pour l'information. Ah, oh, putain, bon, il fait l'œil de Bahamut, tant mieux, c'est de ça que j'allais parler justement. Alors, pour l'information, un Bahamut, qu'est-ce que c'est les gens? C'est une créature, bon je vous fais un cours d'histoire, c'est ça qui est chiant en fait pour moi. C'est une créature de la mythologie grecque, je crois, il me semble. Enfin c'est une créature mythologique. Qui, je sais plus trop qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est une créature mythologique.
J'aime la mythologie. Bah, c'est normal, hein, je vais pas dire si tu fais quoi comme étude, mais voilà, c'est chiant quoi. Surtout que j'ai failli y aller. Ah bah oui. Oh putain! Ah! Il a eu Sera, l'enculé. L'enculé, il a eu Sera. Allez, réanime. Bon, bah on va changer de leader parce que sinon c'est la merde. Je me fais juste sodomiser, j'ai envie de dire. Il était dégueulasse. Je suis obligé de le dire. Oh. Je rigole, bien sûr. Bon. On est reparti. Sera a pris cher. Et... Fuck, je me suis trompé de... Comment dire ? Fuck, je... De bouton, mais c'est pas grave. Bon, allez. On va le finir correctement avec un petit limit break, comme j'appelle ça. Alors, toi, tu sais pas vraiment ce que c'est qu'un limit break, mais un limit break, on va dire que c'est... une attaque finale. Voilà. Ça, c'est bueno. Le javelot météor. Et Sera a crevé. Enfin, elle est morte. C'était prévu? Non, c'est juste que je l'ai laissé crever. C'est dégueulasse. Ah non, mais c'était en pleine action du javelot météore, mais enfin. On s'en fiche pour l'instant, les gens, on continue. Parce que là, c'est que le second combat d'une longue... D'un long combat qui nous attend, on va dire. Bon, c'est parti. Et c'est juste après ce combat-là que vous... Enfin, juste après cette cinématique-là que vous, que vous ne nous entendrez plus parler. Allez, c'est parti. Fight bravely to protect your friends, like a true guardian. What about you, Caius? You swore the same oath to protect Yule! Everything I do is for Yule. Her spirit is bound by a curse. I will see her. What curse? How many Yules have you met on this journey? The jewel of the Farseers is reincarnated without end in every age. Think what that means. Her only purpose is to die over and over. Even though she can see the future, she's not allowed to escape her fate. She is born knowing that she will die before she has truly lived. Countless deaths without a life to give them meaning. I will break the cycle of despair. No matter how great the sacrifice, I shall destroy time and fate itself. Then your spirit shall be free! No! No!
Valhalla! This is Odin! Is Lightning trying to help us? I think she sent us a present. She's watching you try to save the future and lending you a hand. Not just me. She's helping you too, Noel. Valhalla, the Chaos is my ally. Now let us decide the true history. Tu m'as fait peur. Ça y est les gens, je l'ai battu. Fuck. Explique-leur pourquoi. Non. C'est... Attends, tu vois, je suis mort deux fois les gens et j'en avais ras le cul la limite. Vous pouvez demander à Lee Soyeon, je vous jure que c'est vrai. J'ai dit non, c'est pas possible. Là, je suis en train de faire de la merde là. Attendez, d'ailleurs, je vais baisser un peu le son parce que voilà, il est un peu fort. Et puis voilà, tout simplement, j'étais en colère. Et d'ailleurs, Lysion, qu'est-ce que t'en as pensé de la bande son là ? Elle était bien. Elle était trop bien. Elle était plus concentrée sur les graphismes en train de baver comme ça, elle faisait ah. Bon, enfin, allez, c'est parti les gens, on continue. Et là, attention, ça va être une cinématique très touchante dans un sens, donc écoutez et appréciez. Give it up, Caius! You cannot kill me, not now. Ready? Together now! You think this will make Yule happy? Which Yule are you talking about? I've known and protected hundreds of Yules. They had the same sword. Every one of them was unique! A Yule who dreamed of travel. A Yule who loved to sing. A Yule who collected flowers. They all died. All of them. Before my eyes! But despite that, she chose to live again. So she could be with you! I only ever knew the one Yule. That was enough. We will meet again. She was smiling when she died. She believed in the future. She knew we'd meet again. Think, Caius, think. Was it really a curse? Was it forced on her by Etro? Do you really think that Yule wanted to die and not come back? Of course not. Yule wanted to come back. Every time she died in your arms, she wanted to come back.
She knew her next life would be short. She knew! Because she wanted to see you. Again and again without end. Enough, no more. Lies! Why won't you believe me? Pas égal. Merci de le dire, je viens de m'en rendre compte. On y retourne les gens. Ouf. Le combat final. Ça sent juste la merde. D'ailleurs, je vais baisser le son. Hop là, c'est parti. Ouh la merde, il faut vite que je fasse... Il faut vite que je batte les monstres parce que sinon ça va pas le faire. Allez. Donc les gens... Peut-être que vous nous entendrez peut-être pas assez. Enfin, j'espère que tu vas m'encourager, Lee Soyeon, quand même, parce que... voilà. Vous m'entendrez pas beaucoup, je pense, parce que c'est vraiment un combat où ça demande vraiment d'être concentré, mais à un point... pas possible, limite. En fait, je fais ça pour avoir les 5 étoiles, les gens, parce que les 5 étoiles, les gens, ça demande un sacré timing pour pouvoir les avoir. Et c'est pas vraiment... c'est pas vraiment facile à les avoir, vraiment. C'est quelque chose d'assez compliqué à avoir. Allez, c'est parti. On va battre. Attendez, voilà, je vais vous donner les noms exacts ensuite des monstres. Alors lui, c'est le Bahamut Grenat. Ensuite, on a le Bahamut Ambre. Et là-bas, c'est le Bahamut du Néant. Voilà, c'est... Allez. Hop là. Il est où, mon public? Allez, Victor, t'es le meilleur. C'est pas vrai. Ok, t'es viré. Casse-toi. Allez, tu peux le faire. Ouais, allez! Un petit bisou! Non, je déconne. Ah, le Victor. Attention, là, c'est... il est chaud le public, ça déconne plus là. Voix de merde en moitié enrhumée. Génial. Ah putain, merde, j'ai pas eu le bon timing. Ah, voilà, c'est bon. Allez, défonce-les, merde! Je suis en train de les défoncer. Laisse-moi ouais, le temps. Bah défonce-les. Laisse-moi le temps d'utiliser une corne de licorne, si tu veux bien. Même si j'en ai pas. Une corne. Ouais, une corne de licorne, hein, bien sûr, ça te rappelle des choses. Hein. On va pas vous expliquer, les gens, c'est une histoire avec ses cheveux, c'est n'importe quoi. Ouais. J'avoue, je spoil un peu, en fait, le truc. Mais on s'en... Allez. Ah, ça va chier. Hop là.
Alors bien sûr, celui qu'il faut battre, en principal, c'est lui, hein, si t'as pas compris. Hein, ici, le rouge ? Non, pas le rouge. Le black, là, devant moi. Ah, je sais pas, je vois mal ce que c'est. La moitié rouge, violet, blanc, gris. Bah là, ouais, parce que je l'ai mis en état de choc, c'est pour ça. Choqué. Tu sais, il m'a vu, il a dit, t'as vu ce que j'ai dans la main ? J'ai une épée et un arc. Ouh, les gens, je sais pas si vous voyez, enfin toi peut-être que tu vois Lucien, mais normalement vous voyez des petites boules qui sont sur le champ de bataille. Je sais pas si tu les vois toi. Ouais. Et évitez ces petites boules à tout prix, sans déconner, évitez-les. Si elles explosent. C'est ça. Ouf. Oh le timing. Le timing il était serré là. Pour faire l'attaque finale et comment dire. Et de pouvoir infliger des dégâts au Bami. Putain, j'aurais dû lui faire baisser sa défense. Je vais en profiter là. Voilà, ça c'est fait. On dirait qu'il est à moitié en feu intérieurement. C'est trop bizarre. À moitié quoi? En feu intérieurement. C'est trop bizarre. Quand il reçoit les attaques. On pourrait dire ça, oui. Ah, il m'a fait les graines d'annihilation, c'est pas bon. Oula, qu'est-ce qui vient là-bas? Il y a un truc qui vient de péter, je sais pas ce que c'était. Heureusement que ça a pas pété sur moi, j'ai envie de te dire. Oula. On se protège. Et c'est bon, pour l'instant, on résiste. Phoenix! Merci le pompier. Le pompier flanc. Oula. Je te jure, c'est un flanc. Je rigolais pas tout à l'heure quand je te disais que le mec... tu vois l'espèce de truc qui nous guérit. Ouais. C'est vraiment un flanc, ça s'appelle. Je suis sérieux. Chaque fois que je vais le flanc... Tu vas penser à ce truc vert. Tu vas penser à ce truc vert dégueulasse. Ou tu vas penser à moi, tu vas dire putain, un flan soigné. Tu diras que c'est bon pour ta santé, en quelque sorte. Ouais. Hop là. Voilà, on gère les gens, on gère. Courage. Allez, c'est Ray Noël. Allez, Victor, défoncé. C'est bon, j'en ai défoncé. Hein. Oh yeah. Multiple. Me fait pas mal, s'il te plaît. Ah, c'est pas mal. Ah, bah il est faible celui-là. Putain, je pensais qu'il était un peu plus résistant que ça, mais non. C'est une tapette. Comme toi. Mais. Fille, moi. Voilà, t'as sali toute l'autorité de l'agent féministe, c'est ça qui est cool. Non, j'ai dit, je suis. Au contraire, non, t'es niqué là, c'est bon. Je suis une fille, ok. Elle vous a trahi, hein, les gonzesses, hein, donc vous êtes. Mais ta gueule, t'es méchant. Elle vous a trahi. Au fouet. Désabonnez-vous, voilà. Je suis dégueulasse. Après, t'as toute la communauté macho qui va venir chez moi et te dire ouais, t'as raison. Vous êtes méchant. Non, en fait, pas ça, surtout pas vos femmes. Si vous en avez, hein, bien sûr. Merci, Victor. J'aime bien la précision, si vous en avez, ça fout les boules aux autres. Voilà, merci le pompier. Heureusement qu'il se... Ah, putain. Putain. Ah oui, couverture, c'est ça que je... Si t'es célibataire, clique sur j'aime. Tu n'es pas. Clique sur j'aime quand même. T'es conne. C'est pas grave. Oula. Il prépare une grosse attaque, il va faire un dépêché. Comment je parle comme un malade mental, c'est juste abusé. Vite, on va se soigner parce que sinon ça va être la merde dans deux secondes. Tu comprendras pourquoi. Voilà, je suis protégé. Imagine ça dans la vie réelle quand elle est, je suis protégé. Regarde ce qui arrive.
j'ai la manette qui tremble. C'est quoi ce bordel? Non, il est sérieux? Putain, sa barre, elle a disparu. Quel enculé. Bon, normalement, je devrais l'avoir, là. Je devrais l'avoir. Encourage-moi. Ah, mais Victor... Tu gueules, tu, je m'en fous, tu gueules, faut le battre. Allez, Victor. Tu gueules, j'ai dit. Mais je... Si tu gueules, tu te fais engueuler par tes parents, c'est ça. Oh là. C'est bon, je l'ai. Je vous pète à tous aux oreilles, j'en ai rien à foutre, j'ai les 5 étoiles. Applaudissements. Merci de m'applaudir et de m'encourager à aller faire ça, bien sûr. Hein. Tranquille. Oh, punaise. J'étais... Même avec toi, j'ai réussi à voir, c'est ça qui m'épate. Tu m'as porté chance cette fois. Connasse. Allez, on y retourne les gens. Parce que, voilà, c'est la fin du jeu, on a réussi. Ouh, Abdullah, j'ai envie de dire. Même si ça n'a aucun sens ce que je dis. Allez, c'est parti. Hop là. C'est la fin du jeu. Even if it were for Yule's sake, I wouldn't want to kill you. Lightning is dead. I killed her with my own hands. Will you allow me to go unpunished? He's lying. In Valhalla, time does not flow as it should. Long before we began our battle here, I had already faced her. Now, she sleeps, never to wake. Things that shall happen in your future have already been decided, in my own past. I know how it begins and how it ends. Then you should know you can't provoke me. No matter how hard you try, I'm not going to kill you. That's right. You hate to kill anyone, don't you? Noel, born at the end of days. You understand the true value of life. This. You will kill me, Noel. The moment I cease to exist, Yule shall be released from her fate. Défonce-le. Give it up. I won't do it. Impressive. No! He who can change time must choose between those who die and those who live. You must bear the burden. No. The eternal paradox! Thank you.
Caius wanted to come back here, didn't he? He wanted to come back here to die. He thought if he did, he could end Yule's cycle of rebirth. This way, all the Yules that are called back to Valhalla, they can be with him here. They don't have to return to be born again. He heard you. In the end, he believed what you told him. This is a world that gives birth to infinite possibilities. But that's all there are. Possibilities. There's no death here, but no real life either. The Yules that returned to this place chose a different fate. They wanted to be born again. They didn't need immortality. They wanted reality. But Caius wanted something different. Something he thought was better than life. A dream where he could protect the spirits of all the Yules forever. But I'm not like him. I'm going to find her. Find my Yule. It doesn't have to be forever. Just... I want to be with her in the future. Then, let's do it. Build a new future. Yeah. I never wanted to hurt anyone. I didn't want to lose my Yule. I didn't want to lose any of them. No one deserves to die. Not even you, friend. Farewell. To how it was. Kubel. Sarah, are you feeling okay? When the timeline changed, did you see anything? I mean, did you feel any pain? No. I feel great. Good. Why don't we go and find Lightning? Okay. I don't think she's here, Kubel. Wait. You don't think that Caius really... No. That was just a lie. Now that the timeline is fixed, she's back in her own world. I bet she's waiting for you, along with everyone else. The paradoxes are resolved. The gates will disappear soon. We better hurry on back. Right. So this will take us to 500 AF. I guess that's where we'll be living now. 500 years in my future. Maybe Lightning will be there. It was the future Lightning fought to protect. It's the start of a brand new era. What about Fang and Vanille? They'll be there for sure. And don't forget, Hope is in that time as well. Once the gates disappear, everyone stays where they are. Every day, we'll be able to look into the sky and see the new cocoon above us. I bet Snow will be waiting there, Kubel. Snow. Well, we'll see. That'll be up to Lightning, I think. Yeah? Yeah. Let's go. Yeah? Shield has been deployed. Major fissures detected in the pillar. Collapse is imminent. Rescue team report. Hold on, switching displays. We're pulling out. Come on, Saz. We've got Vanille and Fang. Their crystal is intact. Bringing them home. Great work.
Thank you, Saz. Thank you for saving them. They've kept our world safe for centuries. But now they can rest and join us in our new arc. Paradox levels are holding. Sir, they're not coming down. The gates haven't been shut down yet, which means the timeline must still be unstable. Director? It's okay. Sarah and Noel will fix it. They just need more time. The pillar is coming down! This is our ark, our haven. It will be called Benevelza, and it shall be the new home for the human race. Says. Everything is gentle to me because you are making it so. Nice catch. Welcome home. Thanks. The reason why I live in this world is gotcha. Not just what I truly need. I will make you build a beautiful day. You're okay now. You feeling all right? It'll be good to see everyone again. Yeah. The gates are closed. It's the end of our journey. Thank you. Sarah. No, not now, please. Sarah, snap out of it. No! No. Sarah. Now
But why? You were safe. Everything was fine. The future changed. It changed. If you change the future, you change the past. The effects ripple outwards, up and down the timeline. The Seeress is forced to see it all. You mean Sarah? She saw this vision? Yes. And it killed her. Risk. If we altered the future, she knew what would happen, that her life could be in danger. But she still chose to save it. I wanted to protect her. I thought I had. I thought she was safe. The heart of chaos beats in my chest. A manifestation of Etro. Should this heart stop beating, the goddess will die once again. I killed the goddess? The chaos of Valhalla is unleashed. The chaos has the power to warp the timeline and destroy the past. T'es en train de pleurer là? Non. Je suis triste pour Mog. Et pour Sera alors? Sera, j'en ai rien à foutre, c'est Mog. Ah. Eh ben. Quelle aventure quand même. T'as participé qu'à 2 épisodes, mais quelle aventure. J'avoue. Ah, mais enfin les gens, j'espère en tout cas que c'était un bel épisode final pour vous. Personnellement, comment tu l'as trouvé toi? Franchement, les graphismes, ils étaient trop bien. Et juste Mog concentré était sur... trop mignon. Elle est concentrée sur les graphismes, sur Mog, au reste, on s'en fout. Sauf Noël aussi, j'avais oublié. Oui. J'avais oublié, tu disais à un moment, il est trop mignon. Il est trop beau. Avec ses cheveux soyeux. Ah, t'es bon, hein. Oui. Je sais que j'ai pas la même coupe, mais voilà quoi. Ah, mais enfin les gens, vous avez vu aussi à la fin de cet épisode, bien sûr, enfin, à la fin de la grosse cinématique, qu'il y a eu un à suivre. Suspense. Alors je vous laisse imaginer ce qui peut se passer s'il y a un à suivre sur la chaîne. Non, ne leur dis pas. D'accord.
Ah, j'ai cru que t'allais me faire chier, non, je déconne. Oui, les gens, je vais faire la suite le 14 février, c'est-à-dire le jour de la Saint-Valentin. Mon Dieu. Ouais, il sort le jour de la Saint-Valentin. Attends, oui. D'ailleurs, je vais baisser le son. Non, je te l'offrirai pas. Je m'y attendais pas. Hein, quoi ? Je m'y attendais pas, de toute façon, donc... Que, de quoi ? Que tu m'envoies un truc pour la Saint-Valentin. Ce serait un peu choquant. Ouais, voilà, ce serait ça qui est choquant, en fait. Mais quoi ? Lui m'a envoyé un truc à la Saint-Valentin, alors qu'on n'arrête pas de s'emmerder mutuellement, d'ailleurs, au passage. Ouais. Ah, mais enfin ! C'était une superbe aventure avec vous, les gens. J'en ai chié pour les épisodes finaux. J'espère que celui-là sera le bon. Sans déconner, parce que ça fait 5 fois que j'essaie de faire cet épisode final. J'espère que Lee Soo-yeon va me porter chance. Même si elle arrête pas de me faire chier et qu'elle arrête pas de m'emmerder, je l'espère quand même. T'es méchant. Mais voilà. Est-ce que t'as un mot à dire, Lee Soo-yeon ? Lee Soo-yeon. Ben, je sais pas, abonnez-vous, commentez. Comment t'as trouvé l'aventure, peut-être, aussi ? Ben, c'était bien. L'histoire était bien, les graphismes étaient bien. Meg était trop mignon. Sera était... faisait une magnifique présence, on va dire. Et... J'avoue, j'ai utilisé à peu près 2% du jeu, quoi, en fait. À 2% du jeu, je l'ai utilisé. Voire 3, bon. La pauvre. Et sinon, qu'est-ce que t'as pensé de Caius ? Il s'est bien fait tuer. Ouais, t'avais juste envie de le voir crever, c'est tout. Ouais, hein. Voilà. Ah, mais enfin, elle a pas tout suivi encore, les gens, parce que actuellement, j'ai pas posté tous les épisodes encore. Vous êtes à l'épisode 16. Actuellement, quand j'aurai fait cette vidéo. Et aussi, on aura sûrement commencé le walkthrough entier en mode héros de The Legend of Zelda de Wind Waker HD. D'ailleurs, j'ai fait un scandale à cause de ça, Lee Soo-yeon peut vous le dire. Parce que les Américains l'ont eu avant nous. Bando ! Voilà, si. Elle peut vous le dire, hein, c'est la vérité. Calme-toi. Respire. Tu peux confirmer, s'il te plaît ? Oui, je confirme. Il a été une horreur avec ça. T'as été chiant. Et surtout qu'à un moment, elle a parlé de GTA, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit... T'as parlé de GTA, là ? Je tiens ma vie, d'accord ? Ouais, voilà. Ensuite, elle a dit, non, j'ai rien dit. Je dis, tant mieux. Mais enfin. Voilà, en tout cas, on espère que ça a été un bel épisode final pour vous. On a essayé de faire dans l'originalité, cette fois. Des personnes nous ont demandé si Lee Soo-yeon serait revenue. Elle est revenue. Exprès pour l'épisode final. Je te remercie, d'ailleurs. De rien. Parce que, voilà, c'est une amie et elle est soumise. Oh, ce trash talk! Je te hais! J'étais obligé, désolé. Le méchant. Non, je rigole, c'est une superbe amie, Lee Soo-yeon. Franchement, merci d'avoir participé, et puis voilà. De rien. Je remercie aussi les abonnés de suivre, tout ça, c'est super ce que vous faites. C'est, chaque fois que je reçois des commentaires avec vous, c'est juste pas l'extase non plus, mais. Ta gueule! Je suis content de voir que ça vous plaît, surtout, et que vous nous demandez des choses, par exemple, sur quel let's play tu vas faire. Une fois, vous m'avez mis une liste pas possible de let's play. Est-ce que tu vas faire ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela ? J'avoue que j'ai pas répondu à la moitié. J'ai répondu vite fait aussi sur Ask, mais voilà, ce sera tout. Et puis voilà, sur ce, on se dit à la prochaine, mode continuation. Allez, bye les gens, je vous laisse. La musique est juste derrière. On se dit à la prochaine et sur Wind Waker. Ciao le monde ! Toi, tu dis pas au revoir, Malpoli. Au revoir. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao.